Allez, salut tout le monde! Vous êtes sur la chaîne de Mickaël, votre expert en Tunisie, ça, vous avez l'habitude. Alors aujourd'hui, petite nouveauté, on est chez Thierry, et nous ne sommes pas en France, nous sommes en Belgique. Alors, salutations à tous les Belges. Alors là, ce qui va se passer aujourd'hui, ça va être du rat. Comme vous aimez bien, promis, du rat. Ce qui se passe ici, je vais vous tourner la caméra, et comme à mon habitude, on va faire de l'observation, etc. Et ensuite, je vais vous balancer une petite vidéo assez intéressante. Allez, c'est parti! Alors, la problématique se situe. Il y a plusieurs problématiques, mais bon, on va commencer par la première. Problématique, le rongeur, enfin le ou les rongeurs, mais plutôt les rongeurs, sortent au niveau du trou qui est ici. Regardez, donc là, on a l'évacuation des eaux. Là, ici, c'est les eaux de puits. Hein. Voilà, hop, forcément, tout s'évacue dans les égouts. Ici, on a eu, il y a eu un affaissement de la dalle. Et ici, vous voyez, au niveau du trou, là, le rongeur sort par là. Alors, sans plus tarder, je vais vous balancer une vidéo. La vidéo, je vais la mettre ici sur le côté. Vous allez voir. Enfin, attendez, je vais plutôt vous reprendre comme ça. Ah, voilà, c'est moins, c'est plus poli. Je m'écarte. Je vais vous mettre la vidéo ici. Donc, c'est la vidéo. Le propriétaire a réussi à filmer. Alors, il me dit que généralement, c'est souvent le matin. À partir de 7h du matin, les rats se lèvent tôt. À partir de 7h du matin, donc là, il les voit. Il voit beaucoup des petits. Donc là, vous voyez, hein, là, vous voyez, ça sort. Il sort. Et tout de suite, vous avez vu le sprint qui tape. Il tape un sprint. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'est pas du tout en sécurité. Là, il est dans une zone, on va dire, désertique. Et ensuite, il part dans la végétation. Je vais vous montrer la végétation. Elle est assez impressionnante. Et vous allez comprendre pourquoi il part là-dedans. Parce qu'une fois qu'il est là-dedans, c'est mort. Là, vous l'avez pu, c'est mort. Et également, donc là, vous avez bien vu la vidéo. Et là, je tourne la caméra. Et là, vous allez mieux situer. Et ensuite, le rongeur, il est là. Je ne sais pas si vous avez vu sa tête. Est-ce que vous avez bien vu sa tête? Là, je vais vous remettre un petit extrait de la vidéo, regardez bien la vidéo zoomée, regardez un petit peu sa petite tête qui dépasse, voilà, donc en fait ça se situe ici, donc en fait il va dans cette première remise, c'est une sorte de remise mais c'est un peu à l'abandon, le propriétaire ne l'utilise pas, et également il va en dessous. Alors je vous dis tout de suite, je ne suis pas, j'ai pas encore pénétré les lieux, je ne sais pas, peut-être, mais on va le faire, hein, bien évidemment, on va y aller, peut-être qu'il y a du rat là-dedans, ah, je sais pas, peut-être qu'on va les déranger pendant leur sieste, il est quelle heure, hein, il est 14h, pile poil la sieste. Peut-être qu'on va les déranger. Et ensuite, la problématique, donc vous voyez, le rongeur, il sort là. Qu'est-ce qu'il fait? Il tape un sprint parce que là, bah ici, il est pas à l'abri du tout. Hein, voilà, les prédateurs, etc. Donc son instinct lui dit, planque-toi mon coco. Donc il tape un sprint ici et il part là directement. Et hein, après, il part dans la végétation. Vous avez vu, il y a une végétation assez dense. Donc ça, je le répète, hein, c'est quelque chose que je vous dis entre guillemets régulièrement. Il faut éviter de la végétation comme ça parce que là, vous créez des refuges potentiels pour les rongeurs. Là, il m'a dit également qu'il y a eu un rude bétail, comme on dit par chez moi. Un rude bétail, c'est-à-dire un énorme rat. Et en fait, il a tapé un sprint tout droit, il est parti dans la végétation. Apparemment, il était énorme. Bah, peut-être qu'on va le choper aussi, lui. Mais comment voulez-vous, une fois que le rat est là-dedans, comment voulez-vous procéder? Donc là, à mon avis, je pense qu'il faut une... Oh, mon talent pour le bricolage, je suis nul. Vous savez, la machine, une débroussailleuse, voilà, une débroussailleuse. Et puis là, faut tout raser, quoi. Allez, maintenant, on va se faire un petit peu. On va se faire un petit peu Indiana Jones. Et là, il y a déjà un truc qui me perturbe tout de suite. Là, je viens de remarquer, regardez, hop, on a des fruits. On a des fruits, regardez là, ici. Regardez-moi ça, là. Donc, à mon avis, ils viennent manger ici. Le propriétaire m'a dit qu'il a beaucoup de limaces. Enfin, avant, il avait beaucoup de limaces là-dedans. Bah, ça m'étonne pas avec l'humidité, etc. Et apparemment, il ne voit plus beaucoup de limaces, donc je pense que les rats se délectent des limaces au même titre que les escargots dans l'autre vidéo. On va s'aventurer là-dedans, je ne sais même pas comment je vais faire, j'en sais rien, j'ai mis mes vieilles pompes comme d'hab, ça on s'en fout, mais il y a des épines de partout. Moi, ce que je vais regarder, c'est plutôt ici dans ce coin-là, voir si on ne repère pas des terriers de rats. Mais c'est difficile, c'est très compliqué d'observer quelque chose là-dedans. Pour votre plus grand plaisir, je vais m'avancer, c'est cadeau, parce que je vois un peu plus loin, peut-être qu'il y aura un gros rat qui va surgir, qui va nous attaquer, je ne sais pas. Ah, il peut toujours venir, le coco, il sera bien accueilli. Hop, coup de basket, ça va être vite réglé. Tac, bon ça va, je me fais pas trop accrocher, c'est bourré d'épines. Voilà. Et ici j'ai des murs aussi, là, regardez les fruits. Alors, le rat n'est pas forcément... Il n'est pas frugivore, il est omnivore. Donc il mange de tout. Donc aïe, ouh, ta saloperie. Les épines là, elles sont costauds. Ouais, donc à mon avis, là, ils viennent ici clairement pour manger les fruits. Hein, les fruits aussi. Hein. Une belle mûre. Une belle mûre, bien mûre. Hop, j'avance. Avec prudence. Ah, je me fais. Ouf. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Ah, je me suis fait. Il m'a rentré dans le jean. Ouh là là. Ah, je suis blessé. Aïe, ah, la vache. Saloperie. Ouf. Bon,
Ouais, je crois qu'on n'aura rien. Je crois qu'on n'aura rien. Piégé là-dedans, je crois que ça va être un véritable défi. Je pense qu'on va se marrer. Venez avec moi. Maintenant, on va aller dans la remise. Alors, attendez. On va se faire comme ça. Comme ça. Vous rigolez pas si je me vautre. Hop là. Yes. Oup. Magnifique. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a de beau là ici? Il n'y avait rien de spécial. Hop. Parce que le propriétaire, il se demande un peu qu'est-ce qu'ils font les rats ici. Il y a une coquille d'escargot là-bas. Voilà. Mais a priori, non, il n'y a plus grand-chose. Maintenant, le moment un peu plus angoissant. Les remises. On va commencer gentiment par celle-là, parce que là, c'est facile. Pas grand-chose. Juste des morceaux de carton, mais c'est le rat va là-dedans. Qu'est-ce qu'il cherche là-dedans? J'en sais rien. On va mettre des coups de pompe là-dedans pour voir si jamais il y est. Voilà. Ah ouais. Alors, si le rat est dedans, il va forcément être d'un côté là-bas ou là-bas en mode boule. On va mettre des coups de pompe dedans et si ça sort, il va taper un sprint ici ou éventuellement là et il va repartir dans son là où il est pas terrier mais là d'où il vient. Coup de pompe, let's go. Ça, vous le faites quand vous êtes aguerri et quand vous avez confiance, hein, vous faites pas ça parce que là, si le rat sort, si vous n'êtes pas habitué, vous allez paniquer, c'est même pas la peine. Voilà, par contre, si jamais il est là, je le laisse partir parce que je suis pas équipé, j'aurais eu des chaussures de sécurité, j'aurais pu le coincer, mais voilà, avec mes baskets, il va me mordre, c'est pas la peine. Mais a priori, tout va bien. Je dis bien a priori. Ouh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça là. Oh là là là. Des choses intéressantes. Il y a des gros excréments de rats là, je les vois. Typiquement, il vient ici faire ses besoins et il reviendra. Il reviendra. Par contre, il y a un truc qui m'embête. Ça m'interroge. Ça titille ma curiosité. C'est ce machin. C'est quoi ça? Je lui demanderai après. Moi, ce que je veux savoir, c'est d'où ça descend, si c'est relié aux égouts, là, ça peut monter. Maintenant, les amis, si notre rat est ici, il va être derrière ça. J'ai peur. Hop. On va y aller mollo, parce que là, je vais le filmer. Allez, je vais mettre là. Bah, allez-y en premier. Vous me dites s'il est là. Et hop, moi, je vois rien. Ah, voilà. Ok, mais bon, vous voyez, apparemment, il aime bien ce carton-là. J'ai l'impression que là, il y a des traces d'excréments ici, un peu ici. J'ai l'impression que ça peut s'apparenter à de l'urine ici, j'ai l'impression. Attention avec l'urine de rat, risque de leptospirose. Et là, je sais pas c'est quoi. Une brindille, je sais pas ce qu'il faut. Bon, écoutez, tout ça, on le remet. Alors là, ce qui est sûr, c'est que il reviendra ici, mais il sera quelque peu perturbé parce que... Les rats sont assez casaniers, ils n'aiment pas trop qu'on déplace des trucs et tout. Hein. Bon, je vais remettre tout ça après. Parce qu'après, bien évidemment, on va mettre en place les pièges. Bah, vous en doutez, ça c'est évident. Alors là-dedans, parce que là-dedans aussi, ils vont. Hello? Est-ce qu'il y a quelqu'un? A priori, tout va bien, mais... Chaque fois que je dis, des fois ça m'arrive, je dis a priori ça va, puis d'un seul coup t'as un bétail qui sort. Bon, ça a pas l'air, hein. Ouais, des excréments là-bas au bout un petit peu. C'est pas non plus la folie. Essayer de me frayer un chemin. Oh, allez, oh, ouf. Là c'est classique, on est à l'approche de l'hiver, là je pense quand je tourne la vidéo on est le 20 novembre, je pense, à peu près 20 novembre. Donc là forcément le froid arrive, et ben, les rongeurs ils essaient de trouver des... Et ben, déjà ils sont en manque de nourriture, hein, donc ils sont amenés à étendre leur territoire, à prendre des risques. Et là ce qui peut arriver, bon là il n'y a rien de méchant, bon ça va, on va quand même piéger ici, mais rien de méchant. Ils vont commencer à prendre des risques, et là le plus dangereux ici, c'est que les remises sont vraiment
sont vraiment collés à la maison, à l'habitation. Et directement, c'est la cuisine. Donc là, le plus grand risque, c'est que si on ne fait rien, tôt ou tard, les rongeurs vont tenter de rentrer dans la cuisine, c'est certain. Alors, on va mettre en place des pièges. Bah, vous savez, hein, il y a des pièges parce qu'ici, il y a un petit chien. Donc systématiquement, dès qu'il y a un animal jeuneux, n'utilise pas de poison. Dès qu'il y a des enfants en bas âge, pas de poison. Pas de poison, pas de problème. au moins là, ça c'est clair. Donc on va mettre en place tout ça. Et vous allez me dire aussi, bon écoute, tu rebouches ça et c'est marre. Hein, tu vois, tu mets du béton puis on n'en parle plus. Là, si je le bouche, il va systématiquement chercher à passer ailleurs. Soit il va creuser là-dedans, mais ou alors encore pire, parce que là c'est le réseau d'égout. Il y a peut-être le réseau qui est comme ça et qui part dans la cuisine et il va peut-être réussir à trouver un autre chemin. Donc moi je préfère le toper, je préfère régler le problème et ensuite on rebouche. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Bon, maintenant on passe à la partie piégeage. Allez, c'est parti. Maintenant piégeage. Alors bon, j'ai fait mon carton avec mes bricoles. Toujours s'adapter à son environnement. Moi là le propriétaire a un petit chien. Je lui ai demandé, voilà, est-ce que c'est possible de choper un petit peu de croquettes pour chien, parce que les rats, ils adorent ça, ça sent assez fort. Donc vous voyez, n'hésitez pas à regarder autour de vous et à vous servir de ce que vous avez sous la main, quoi. Voilà, hop, voilà, ça va être ça. J'ai quand même un petit spray chorizo. Bon là, j'ai quelques pièges sécurisés. J'ai quand même pris quelques gorilla traps ici qu'on va, on va pouvoir mettre surtout à l'intérieur, donc dans la remise. Et puis on va se faire du spray chorizo. Je pense que ça va suffire largement. Et bien évidemment, pour votre plus grand bonheur, une caméra nocturne pour voir un peu ce qui se passe, quoi. Donc je vais appâter tout ça, ok. Ça, je vais vous passer le truc, ça vous connaissez bien. Et puis ensuite on va les placer ensemble là où j'estime que ça soit le plus adapté. Bon, on va commencer par tout ce qui est piège à rat sécurisé. Donc forcément on va pouvoir les utiliser ici, là, dans cette zone là à l'extérieur, pour éviter de choper des oiseaux, enfin bref, tous les animaux non ciblés. Donc c'est quand même, faut faire très attention. Par contre, après, les tapettes de gorilla trap, on va pouvoir les mettre directement là-dedans. Ça, il n'y aura aucun problème. Alors, j'ai eu la réflexion suivante. Croquettes pour chien, donc j'en ai mis dans les compartiments. Et je presse le spray chorizo. Ah, spray chorizo qui est ici. J'en ai mis un petit peu là, voilà, ici, histoire de camoufler les odeurs et laisser une odeur carnée. Voilà, une odeur carnée, une odeur un peu de viande. Donc ça, c'est bon. Il y a un piège blanteur ici quand même, transparent. Avec, même système avec des petites croquettes, etc. Bon, ça, je le ferme. Là, c'est des sécuripods, donc pour l'armée. On verra ça juste après. Donc ça, je vais les refermer. Et ensuite, je me suis fait une petite réflexion. Hop. Ici, là, le rat qui sort de là, enfin, le ou les rats, là, ils n'ont pas forcément l'habitude des croquettes pour chiens. Parce que là-dedans, ça m'étonnerait qu'ils en trouvent. On va se faire la technique de l'ami fourbe. Souvenez-vous, technique de l'ami fourbe. Le rat est... Ah, il est intelligent. Allez, on va dire qu'il est intelligent. Il a une forme d'intelligence, comme tous les animaux. Mais il est surtout très méfiant. Et pour réussir à l'avoir, pour calmer sa méfiance, qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Eh bien, il faut devenir son ami. Il faut, c'est-à-dire qu'il faut le rassurer. Donc là, on va le rassurer. Comment je vais le rassurer? Je veux qu'il goûte. Je veux qu'il goûte ce truc-là. Comme ça, il va goûter. Il va dire, hey, mais c'est génial ce truc. En fait, c'est super bon. Et les mecs, venez, il y en a d'autres là-bas. Mais par contre, après, une fois qu'ils vont y aller, ce sera pas en libre accès. Voilà, ce sera pas en libre service. C'est fini, hein, on va pas déconner non plus. Mais là, forcément, ils seront obligés de se faire taper. Alors moi, comment je vois la chose? Il est dedans. Déjà, je lui fais plaisir. J'en prends deux. J'en prends deux. Bon, il va pas aller loin avec ça. Ok, c'est des petites friandises. Un petit Kinder, quoi. Tiens, un petit Kinder, tu vois. Je t'en mets deux. Vous inquiétez pas, il va les bouffer. Ensuite, après, je vais juste en mettre deux au bord, là. Juste deux au bord. Juste pour qu'il sorte et qu'il les bouffe. Ça, il va les bouffer, il n'y aura pas de problème. Et ensuite, après, si c'est un gourmand, il va être à la recherche d'encore quelques croquettes. Et là, forcément, il va se diriger vers les pièges. Vous voyez, c'est un vrai métier. C'est pas, c'est des trucs tout bêtes, mais ce genre de truc-là, ce que je suis en train de faire, ça peut faire la différence, mais carrément, mais totalement. Donc, vous voyez, il faut essayer de faire marcher un peu le cigare qui est là-haut. Voilà. Bon, allez, on va mettre en place ça. Voilà, le security post, il est fermé, ok. Donc là, il faut l'ouvrir avec la clé, forcément, sécurisé pour les enfants et surtout pour le petit chien qu'il y a ici aussi. Bon, facile, le security post, hein, honnêtement, il y a une petite tige là. Il suffit de tirer fermement en arrière. Et là, mon piège ici, on voit ici, il est surélevé, il est prêt à fonctionner. Hop, même chose pour ici, une petite languette. Tac, ça prend. Allez, en deux secondes, c'est fait. Voilà. Donc pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le maniement des tapettes comme ça, vous avez peur qu'elles vous pètent un peu dans les doigts. Bon, ça arrive pas normalement si on fait pas n'importe quoi, ça n'arrive pas. Mais là-dessus, ouais, je pense que ça peut, comme le rat, ça peut vous rassurer. Voilà, pour le coup, c'est ça. Bon, alors, on a un jeune rat, souvent, soit il part là, soit vous avez vu hein, la vidéo, souvenez-vous, au tout début de la vidéo, justement. Hop, il tape un sprint ici et il se barre là-dedans systématiquement. On va mettre un piège directement ici. On va
On va se créer un passage. Alors regardez, ça c'est vraiment, là je vous donne des trucs, parce qu'en fait le problème c'est que si je le mets ici là, comme il va très vite, soit il va couper l'angle, parce que bon, il longe les murs, mais il va pas forcément faire tac, tac, ok. À mon avis il est là, il se fout là dedans et puis il se taille comme ça. Alors moi ce que je veux, c'est que je vais m'aider de ça pour créer un passage ici, parce que je veux que le rat emprunte ce chemin, parce que là dedans c'est là où je vais mettre mon piège. Donc là, vous voyez, il faut vous servir de votre environnement, hein. En fait, toutes les interventions ont souvent la même problématique mais ne se ressemblent pas. Donc là, j'ai créé mon environnement, je vais mettre mon piège ici parce que je veux qu'il passe là. Alors, je vais mettre le piège Blantor qui va jouer sur vraiment sur la mauvaise vision du rat. Oublions pas qu'il est myope et qu'il voit en noir et blanc, le pauvre. Hop, moi aussi je suis myope, mais je triche, j'ai des lentilles. Hop, je le mets ici. Et là, systématiquement, je vais venir caler mon piège parce que le petit malin, il pourrait l'éviter. Après, on est d'accord, il peut toujours passer dessus, hein. Mais là, avec la bonne odeur de croquettes, je pense qu'il va y aller. Il va y aller. Là, on est good. Je le laisse comme ça, on verra bien. Les deux autres pièges, on va partir dans la jungle là-bas. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer les tapettes. Alors là, honnêtement, les tapettes, ça va être hyper simple. Hop, je vais me prendre une petite croquette. Je vais poser ici. Alors là, il faut faire gaffe. Parce que là, on part sur un appât solide. Et si je le pose comme ça, le rat sera capable de juste de le choper là. Et de se barrer. Et sans faire déclencher le truc. Donc là, il faut vraiment que j'appuie. Ouais, c'est dur. Voilà, je vais l'écraser à l'intérieur de la. Là, il peut pas, c'est pas possible. Voilà, là, on est bon. Et ensuite, le petit coup de spray chorizo. Hop, je vais mettre ici, tac, tac, tac. Hop, je prends ma tapette. Et là, je vais là-dedans parce que vous savez quoi? On va prendre des paris maintenant. Prenez les paris. Est-ce qu'il va se faire toper dans la remise? Dans cette remise-là? Ou alors sur éventuellement ce piège-là? Les paris sont ouverts. Allez-y, mettez-moi ça en commentaire. Moi, je vais faire un petit pronostic sur celle-là. Je le sens bien, les excréments sont là-bas. Je le sens. Voilà. Et à chaque fois que je fais des pronostics, ça foire. Donc, alors, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Je vous comprendrai que vous ne me suiviez pas là, sur ce jeu. Là, c'est armé. Mon rat, il passe ici. Donc, je vais le mettre dans cette zone-là, mais pas trop près non plus, parce qu'il n'est pas, con non plus. Et le rat, attention. Donc là, déjà que j'ai pas mal perturbé son environnement, donc là, il faut... Pourquoi ça m'emmerde ? Ah. Moi, je vais plutôt le mettre ici. Plutôt le mettre ici, pas dans cette position-là, plutôt dans cette position-là. Ça, toi, tu viens là. Hop. C'est pas tout le piège, hein. Parce qu'il y en a, ils me disent... Quand je reçois des mails, oh ça marche pas, le piège, ça marche pas, c'est nul. Mais un bon piège, c'est important. Mais la manière de le poser et l'appât utilisé, tout, enfin, toute l'observation, c'est pour ça qu'on observe avant. Tout ça, c'est important. Il suffit pas d'avoir le piège, je pose mon piège et puis ça va marcher. Ça marche pas toujours comme ça. Ok, des fois c'est vrai que des fois c'est facile. Des fois, faut un peu plus cogiter. Donc là, vous voyez, il est là. Comme ça, mon rat, il passe ma tête là. Il a quand même une marge de manœuvre ici. Ça va pas obstruer son passage. Là, ça devrait être bon. Et si je suis vicieux, parce que, allez, on va jouer, on va rigoler un peu. Je vais mettre juste un petit truc, histoire que ça fasse un peu genre bordel. Voilà, allez, juste comme ça. Voilà, comme ça au moins, là, il va passer là. Il va plutôt choisir de partir là-bas plutôt qu'ici, puisque là, il y a un obstacle. Voilà, allez, encore, c'est tous des petits trucs. C'est cadeau. Bon, je referme ça. On va aller dans l'autre remise. Là, on va mettre les tapettes dans la remise. Mais juste avant cela, j'avais envie de vous montrer quelque chose que j'ai découvert il y a peu. Alors, attendez, parce que là, oh, aujourd'hui, je me... Voilà, c'est bon. C'est ça. Alors là, vous allez me dire, c'est quoi ce machin? C'est normal, c'est quoi ce machin? C'est un aimant, vous voyez? Mais c'est un peu comme la mode, vous savez, du pêche à l'aimant, là. En fait, ça revient exactement pareil. C'est une sorte de gros aimant. Alors, à quoi ça va nous servir? Ça va servir pour les pros à faire ça. Je vais vous montrer. Pour moi, ça va être plus simple. En fait, pour les pros, ça va leur servir à fixer leur poste. Parce qu'en fait, quand on travaille par exemple dans une industrie ou un restaurant, des choses comme ça, les normes HACCP nous préconisent fortement, on va dire, de fixer les postes. C'est-à-dire que le poste ne doit pas être, il doit être stable, pas bouger. Et donc là, en fait, le mieux, c'est de le fixer avec ça. Pourquoi? Parce qu'il est aimanté. Alors, aimanté, c'est intéressant. Parce que je trouve que ça fait gagner du temps. Alors tous les techniciens, ils vont être d'accord avec moi, parce que c'est une horreur de fixer les postes. Imaginons que vous avez un chantier, il y a 200 postes comme ça. En termes professionnels, ça s'appelle des postes. Voilà, là, la boîte, là, c'est un poste. Donc en fait, ça prend beaucoup de temps. Imaginez-vous, j'en ai 200 à fixer comme ça. Là, regardez, là, en même temps, je vous parle. Hop, mais
Voilà, là, mon truc, il est prêt. Hop, voilà, là, c'est attaché. Maintenant, comme c'est aimanté, il suffit, bah, au préalable. Forcément, après, faut une surface en ferraille, c'est logique. Bon, ici, j'ai beaucoup de bois. Mais bon, voilà, admettons que c'est un poste que je dois mettre à l'intérieur. Donc là, je peux positionner mon poste ici, vous voyez. Et ensuite, si j'ai un tuyau, je peux fixer l'aimant. Là, je vais faire une démo plutôt là-dessus, là. Et alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, ça tient. Ça tient. Ça, j'ai découvert ça au salon Parasitech il n'y a pas tellement longtemps. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le salon Parasitech, il y a le salon, faire vite, hein. Il y a le salon du mariage, il y a le salon de l'auto, l'automobile. Et il y a également, alors je sais, ça va vous faire sourire, mais également, il y a un salon dédié à l'environnement, donc du métier, de ce que je fais, donc tout l'univers de l'anti-nuisible, etc. Où ils présentent des nouveautés, enfin, ils présentent un petit peu de tout. C'était très intéressant. Et ça, ça paye pas de mine, mais j'ai trouvé ce truc-là hyper intéressant. Et en fait, ça tient. Ça tient vraiment bien. Et sur le salon, ils m'ont fait tester en soulevant des poids de 5-7 kilos. Et franchement, j'arrivais à les soulever comme ça avec l'aimant. Donc, parfait. Ensuite, pour le retirer, en fait, au plus vous tirez fort, au plus il tient fort. Et en fait, pour le retirer, en fait, il suffit juste d'y aller tout doucement et il se retire. Voilà, très intéressant. Et pour les particuliers, moi j'ai une petite idée, on va l'utiliser, on va le faire ensemble pour les particuliers. Je pense qu'il y a un petit truc à faire. Alors, j'ai trouvé une petite utilisation pour les particuliers, parce que moi ça m'arrive de temps en temps que le rat se fasse choper par la tapette. Et en fait, il y a un autre rat qui arrive, et en fait, comme ils sont nécrophages, c'est-à-dire qu'ils mangent leurs congénères morts, des fois, il y a la tapette qui est là, le rat il est là, et en fait, il y a un autre rat qui tire le cadavre du rat, et il chope la tapette avec, et des fois, la tapette, elle disparaît, mais carrément. Donc là, je me suis dit, bah, ça, je vais pouvoir mettre ça ici, tac, ça passe, hop, là, je vais pouvoir fixer mon piège, hop, pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise, parce que là, en fait, si vous voulez, vous pouvez le fixer à l'aide de deux vis de chaque côté, sur une surface en bois, par contre sur du carrelage ou un truc comme ça, là c'est pas vraiment faisable. Donc là je me dis ça serait pas mal, on va le faire ensemble. Hop, je vais prendre mon chorizo et on va aller dans la remise. Hop là, tac tac tac. Hop, ouais, j'aime bien essayer des trucs moi. Voilà, je suis pas conventionnel. Il y a pas de limite dans la dératisation. Il y a pas de limite, il y a des pièges à disposition, il y a des accessoires, des trucs. Faut marcher son ciboulot. Hein. Moi, quand j'ai vu ça, ça paye pas de mine ce truc. Hein. Il y avait des pièges vraiment beaucoup plus impressionnants, il y avait vraiment des gros trucs. J'ai vu ce truc là. Je sais putain, mais c'est ça vraiment pour les pros. Je pense qu'il y en a qui vont être d'accord avec moi. C'est hyper pratique. Je vais positionner une tapette ici. Donc là au moins, hop, mon aimant, il est là. Et au moins là, je suis sûr que demain, je retrouverai ma tapette intacte. Alors là, même chose. Armement. Alors, à une main, c'est jamais évident. J'ai toujours pas de caméraman. Hein. Ça serait tellement pratique. Hop, voilà, attendez. Voilà, quand même, à une main, quand même, pas déconner. Là, même chose, jamais trop droite. Là, je vais la mettre ici, il faut que ça soit vraiment sur une surface stable. Et pourquoi pas un tout petit peu les éloigner, comme ça, en fait, là. Voilà, il sera peut-être encore un peu plus en confiance d'aller un petit peu sur une surface juste en dessous du barbecue, en plus. Ah, les barbecues, on n'a pas fait beaucoup cet été avec le temps qu'on a eu, franchement. Je sais pas vous, dans votre région, mais nous, c'était pas top. Ah, un petit coup de spray chorizo. Là. Hop, c'est good. Et on arrête là. On va remettre une tapette au niveau des excréments plus loin là-bas. Et ensuite, maintenant, on va aller dans la jungle poser les pièges sécurisés. Bon, voilà pour cette remise. Là, le piège, il est juste ici. Là, il fait un peu sombre. Il est juste là. Et ensuite, l'autre, il est juste en dessous du barbecue attaché à son câble. Là, on est bon. Maintenant, let's go. J'en ai deux à placer. J'en ai un en manipulant. Il a sauté. Alors, je vais le réarmer. Attention à vous. C'est réarmé, ok. Ah, je vais essayer de prendre les deux. Alors là, faut pas que je me pète la gueule, sinon c'est la honte. Allez, go. Hop. Alors, est-ce qu'on en mettrait pas un dans cette zone-là? Si vous en pensez. Moi, je pense qu'on va en foutre un dans cette zone-là, là-bas. Et on va en foutre un peu plus loin, là-haut. Mais ça va être compliqué. J'ai pas vraiment beaucoup d'espace. Mais bon, tant pis. Allez. On va quand même le faire. Alors. Oh, c'est des trucs qui piquent, là. Dégage. Oh. J'aurais dû mettre mes chaussures de sécurité. Oh, je suis pas délicat. Hop, là, ça claque comme ça, c'est pas grave. Hein. On remet un coup, puis ça se réarme. Allez, on va le mettre là-bas. Ah, je me pique partout. Hop là. Je sais pas, honnêtement, je sais pas si le rat va être très à l'aise avec tous ces bazars-là qui piquent, là. Hop, bon, on verra bien, mais pour moi, c'est vraiment le... C'est vraiment les remises. Ouais, moi, ça, j'y crois. Ah, il bouffe les escargots aussi, allez. Oh, c'est une enquête, hein. C'est fou.
Là, on le voit parce que la vidéo que j'ai fait donc avec l'héliciculteur, j'arrive à le dire maintenant, l'héliciculteur, l'éleveur d'escargots, il me racontait le même phénomène. Ça veut dire qu'en fait, il perçait la carapace du dessus et il bouffait. Il mangeait l'escargot par ses organes. Voilà, ça, je raconte pas de bêtises, c'est l'héliciculteur qui me l'a dit. Donc s'il l'a dit, c'est un pro, c'est bon. Tac, allez, ça dégage. Hop, ça, je vais les réarmer direct. Et on va le positionner là-bas et on va finir par l'installation de la caméra. Et là, j'ai un petit dilemme. Où est-ce que je vais poser ma caméra? Est-ce que je vais poser la caméra au niveau du trou de l'égout pour qu'on puisse observer le roc qui sortir? Mais bon, ça, vous l'avez déjà vu, je pense pas que ça va. Bah, si. De toute façon, entre nous, ce qui va vous intéresser, c'est de voir le roc se faire toper sur la tapette. Hein? Ouais, si. Bah, ouais, mais c'est logique. Donc, je vais plutôt la remettre dans la remise, là où je vous ai dit que je le sentais bien, cette histoire. Ah non, pas encore. Dégage. Non, c'est bon. Bah écoutez, j'ai pas de place pour le mettre, franchement là. Genre même si je devrais pas le mettre au milieu comme ça et que ça devrait marcher parce que le rat là il est tellement. Ah si attendez. Le rat ici il est tellement en confiance que franchement j'ai même pas besoin de le mettre contre un mur. Je vais le positionner ici. Hop. Là. On remet tranquilloum. On verra bien ce que ça nous donne. Perso, je mise plutôt sur la remise. Je mise plutôt sur la remise, putain, je fais des jeux de mots incroyables. Allez, on va aller là-bas. Voilà, puis j'ai envie d'être un... Je sais pas, je me sens joueur aujourd'hui. Hein. Je vais être fourbe jusqu'au bout. Je vais lui mettre les petites croquettes-là, j'en fous dedans. Aussi. Hop, voilà, allez copains. Bon, au final, après une grande hésitation, je me suis dit... voilà, j'ai mis la caméra, je sais pas si vous la voyez là, autour du bac à linge. Je l'ai positionné là, je l'ai orienté, bien évidemment, vers la tapette qui se présente ici sous le barbecue. Au départ, je voulais la mettre ici, mais j'ai absolument rien pour fixer. Donc, je veux absolument pas que la caméra elle tombe pendant la nuit et qu'au final, il y a vraiment plus rien. Voilà. Bon. Ah, on peut dire que l'observation, on a tout compris, on est bon. La mise en place des pièges me paraît correcte. Maintenant, ce qui nous attend, c'est les résultats. Voilà. Alors, quand? Je ne sais pas. Néanmoins, les rongeurs qui sont ici n'ont pas l'air d'être très timides. Donc je pense que ça peut quand même aller assez rapidement. De toute façon, il y aura un épisode 2, et l'épisode 2, ça sera les résultats. Donc voilà. Donc bien évidemment, pour suivre les épisodes, eh ben, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit. Si vous avez des remarques, des questions, peu importe, vous mettez ça en commentaire, il n'y a aucun problème. Et puis quant à moi, on va se retrouver bien évidemment très prochainement pour le fameux résultat des rats belges, voilà, on verra, on verra si les rats belges sont un peu plus malicieux que les rats français. Bon, pour l'instant, les rats français, ça dépend vraiment du truc, mais bon, on verra. Mais je pense pas qu'il y a pas de distinction, hein. Ça, je rigole, mais bon, voilà. Allez, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.